On peut être supporter du Mans et faire signer un maillot des Verts, époque vintage, de l'AS Saint-Etienne. C'est le maillot de ma vitrine. Et je suis fan des Verts depuis les années 76. Jérémy Janot a porté ce maillot durant 16 ans. Il en signe de ce style au moins une fois par semaine. Il y a des supporters verts partout, donc à chaque fois je signe des maillots et tout, ça fait toujours plaisir. 1h30 d'entraînement décentralisé, l'occasion pour les pros de garder les pieds sur terre, de rester en contact avec le milieu amateur. On a senti beaucoup de convivialité, beaucoup de chaleur quand on est arrivé. Tout le monde se met à notre service pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Je pense que vous aurez un retour également positif des personnes qui nous ont accueillis. On est associé à deux autres clubs, Mulsanne-Télocher et la Suze, pour cet événement, qui est le premier entraînement délocalisé. Ça permet aussi au Mans FC de se rapprocher un petit peu des spectateurs qui se rendent au MM Arena. Des supporters nombreux, mais aussi des jeunes issus des écoles de foot. J'ai appris plein de comment faut bien se placer sur le terrain. Il fallait pas trop faire de fautes dans la surface de réparation. Pour les enfants, je pense que c'est très très sympa. Ouais. Je pense qu'ils ont apprécié, ouais, tout à fait. Une opération probablement renouvelée au printemps prochain, compte tenu de la réussite de cette première.